On vient de finir le Dauphiné et c'est la première fois depuis presque 20 ans que je vois une étape aussi dense faite par les coureurs. C'est-à-dire, il y avait deux champions devant, Nibali, Valverde, deux champions derrière, Vingegaard et Froome, et ça a duré 100, 160 km. Ça, c'est la vraie course à l'ancienne. Et les 2 jours qui ont suivi, il y a eu des changements, ça pétait un peu de partout, quoi. Et là, ils n'attendaient pas de faire la dernière ascension. Et ça donnait un peu de piment à la course. Mais autrement, c'est vrai que parfois, c'est un peu triste, hein, de voir que les coureurs, ils ont dit, ben non, qu'est-ce qui va se passer? Ben rien. Il ne va rien se passer puisqu'on va attendre la dernière ascension pour aller faire la course. Et je trouve ça dommage parce que les coureurs ont quand même encore des capacités pour aller faire beaucoup, beaucoup mieux que ça.